on Zombie Apocalypse. Salut à tous les gamers, on se retrouve sur Gesso Gaming pour la suite de The Evil Waiting. Nous sommes rendus au chapitre 15, un mal intérieur. Je crois malheureusement, quelque part, que c'est le dernier chapitre. Mais ne vous inquiétez pas, c'est le dernier chapitre 5, c'est le dernier chapitre, parce que j'ai d'autres choses à prévoir pour vous. Que se passe-t-il ? Ok. Pas de problème. Alors, retranscription d'interrogatoire à faire interne le 13 mars 2013. Inspecteur PHI, savez-vous pourquoi on vous arrêtait ? Parce que vous êtes des incapables. Vous êtes livré à une enquête non autorisée et vous avez utilisé les ressources du QCPT. Pire, vous avez menacé et intimidé certaines personnes. On nous a même signalé des violences physiques. Castellanos, si vous aviez la moindre preuve de ce que vous avez avancé, vous auriez déjà pris mon insigne et mon arme. PHI, effectivement, vous avez pris beaucoup de précautions, mais on vous a à l'œil. Castellanos, vous n'êtes pas les seuls. PHI, qu'est-ce que vous me chantez là ? Castellanos, continuez à me filer le train. Vous le saurez bien sitôt. Je ne sais pas cette expression-là, personnellement. PHI, si vous continuez à vous imbiber du soir au matin, ce sera même pas nécessaire. Castellano, j'ai du boulot, vous avez terminé PHI pour le moment. Mais vous êtes sur la corde raide, Castellanos. Au moindre faux pas, vous plongerez. Castellanos, je plongerai quand ce sera terminé. L'inspecteur Cados quitte la salle d'interrogatoire. Ok. Ce fut très bref et très intéressant. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais rien voir si j'ai des clés ou des comme ça. Bon, tout se casse la gueule. Là, j'ai sur le truc qui va se casser la gueule en fait. Alors, on a quoi ? Du gel. Ok. On prend le gel. Tu prends le gel, s'il te plaît. Ça bouge, vous imaginez même pas quoi. J'ai un mec qui vibre, j'ai tout qui vibre. Et là, on a ça. Ok, ensuite, on va prendre celle devant, on va pas se faire chier. Une grenade, ok. Ah, c'est même pas une grenade. Si, c'est une grenade. Si. Non, si, non, non, je sais pas. J'ai pas trop le temps de voir, en fait. Ok, donc il en restera un pour la suite. Donc je vais aller voir si je peux améliorer les choses. Okay, je peux pas passer par là. Alors, je sens que ça va s'effondrer. Je vois le truc arriver, mais vous imaginez même pas comment. Je vois le bâtiment qui va s'effondrer sur le coin de notre rue. Arme, cadence de tir. Cadence de tir du sniper, j'en ai amélioré, ça c'est sûr. Rechargement aussi. Critique aussi. Voilà. Et multiplicateur de dégâts, donc on y est aussi. Fusil à pompe. Trop jauge de vie. Bah, jauge de. Ah non, jauge de vie, j'ai pas assez. Temps de sprint, on va l'améliorer. Arme.
Cadence de tir du pistolet, on peut toujours l'améliorer, de toute façon ça servira tout le temps. Et là on a la précision. Allez. Voilà. Je me dépêche quand même relativement parce que ça pue la merde tout simplement. Alors. Je peux me casser, non? Je te suis, mais alors... Putain, il barre vite, hein, sérieux. Je sens le piège, alors... Arriver vraiment vite. Je peux plus courir déjà. Je comprends mieux pourquoi. Ah, tu as tes pouvoirs. Parce que je peux rester là. Parce que... Allez, on y va. Motivé. No problème. Je peux une seringue au passage. Sans supplément, c'est ça? Vous voyez quand je vous ai dit au début d'une gameplay que tout ça allait me casser sur la gueule? Voilà, j'avais raison. Allez, on est reparti. On est en extérieur ce coup-ci. Ok, allez, c'est parti. Point de contrôle dès en arrivant. J'aime bien les voir tout en temps. J'ai un plaisir. Attends, par contre, tu galères un peu à monter. Hein. Putain, mais en gros, je sais quoi, je vais te voir, il va se passer un truc, c'est ça? Ok, donc là on se retrouve au début en fait. Non, tu peux les ouvrir. Ok, on se saille. Là-bas, non. Plus, ok. Pas trop ce que je dois faire en fait. C'est moi qui est con, hein. Il y a rien. C'est possible.
faut vraiment pas quoi faire. Ah, il y a des bruits chelous, hein, ça je peux vous le dire, mais... Que dois-je en faire? Je sais tirer une balle. Non. Ça aurait pu, hein. Je sais pas pourquoi pour moi c'est cette porte-là, là. C'est quand même des choses derrière, je sais pas. Je vais essayer de ressortir, parce que ça donne. Je peux pas sortir non plus. Bon. Ok. Je vois pas trop quoi faire, sérieusement. Puis là, je fais une ellipse, hein, c'est pas grave. Y a pas de problème. Ah non, d'accord, c'est par là. Ok. Il fallait le trouver, hein. En plus, je suis passé par là tout à l'heure, mais j'ai même pas vu qu'il y avait une sortie derrière. Mais bon, c'est pas grave. Faut chercher de temps en temps pour trouver. Alors, qu'est-ce qui nous attend par la suite? Ça pue un peu la merde, mais vraiment, vraiment un petit peu. Ensuite, je prends en face. Hop, et ensuite, on prend là, à gauche. Celle-là, du combien ça se trouve? Non? Non. Ah ouais, non, mais mon garçon, t'as fait de la merde. Clairement, t'as fait de la merde. Je vais par là. Je regarde quand même s'il n'y a pas de gel ou autre dans la piscine, on va dire ça comme ça. Ok, il y a Leslie. D'ailleurs, il y a... Et bah, ok. Ok, ça marche, il n'y a pas de soucis. Alors. À chaque fois, il me ramène dans un endroit. Ouais, c'est sûr, on vient... On revient qu'on était à début complètement, en fait, on refait exactement le même chemin. On refait le même chemin. Y avait pas une échelle, là, non? Donc là.
il y a un livre. Vous rêvez toujours de vous échapper? Vous pensez la fin est proche? À quoi bon rêver quand votre corps gît ici, immobile? C'est glauque. Parce que c'est glauque. Alors, là, nous avons quoi? Ça me rassure pas d'avoir autant de choses, franchement. Ça pue, mais trop la merde. Alors, d'une force. Bon, on va retourner dans les égouts, hein, tout le temps. On va essayer de remonter. Ça fait peut-être mal. Tu peux pas monter. Je sais même pas si c'est là en fait. On va essayer. De toute façon, c'est en essayant qu'on saura. Parce que là-bas, je vois une grille. Donc, ça pue un peu, hein. Je sais pas ce que vous pensez, mais. Ça va pas être là du tout. Alors vraiment pas du tout. Bon, ça va être vrai. C'est ça. Voilà, comment se mouiller, être dégueulasse, puer la merde, en 5 minutes. Voilà. Puis le pire, c'est que je peux pas courir, hein. Si vous posez la question, non, je ne peux pas. Je suis bloqué au fin fond de la mer. La mer ou la merde, hein. C'est comme vous voulez, hein, de toute manière, hein. C'est pareil, hein. On parle vraiment de la même chose, de toute manière. Ah ouais, c'est comme ça. On se tue de suite. Hein. Ouais, ça marche. Triste. Hein. Je vais pas dire. Non, mais prends l'échelle, maintenant. Pas bon. Voilà, tu pues bien la merde, t'es bien dégueulasse. Et des gros dents. Là, j'ai été, ils sont tout à l'heure. Ouais, il y avait rien. Il y avait rien. Il y avait des choses, mais... rien qui me concerne. Alors, du coup. Là, ok. Ah, c'était là l'échelle. C'est ça. Non? Si? Si, il y avait une échelle à l'époque, là. Il y avait une échelle à l'époque. Ça, c'était avant. Donc, du coup, ce que je vais faire. Voilà. Ah, parce qu'à l'époque j'avais pas de flingue, je crois. C'est pour ça que je me suis dit, par là. Je crois que c'est un truc comme ça. Pour l'instant, je croise rien du tout. Hein. Vraiment rien. Une personne. À part Leslie, hein, forcément. Mais... donc, déjà, ça m'a pas l'air d'être là. Ça m'a pas l'air d'être là. Ensuite non plus. Ok, c'est cool de se tromper de chemin tout le temps. C'est sympa. Au moins visite, hein. Remarquez, les égouts là maintenant, pas de problème, hein. On connaît. Allez. Là. Petit sécane là. 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 Ouais, c'est là. Ok. Allez le savoir. Alors, ensuite. Bon, ensuite, ça n'y a pas d'ensuite, hein, c'est le choix. Ça mène où ça? Ah, on a deux portes. Ok, et l'autre, ça donne quoi? Ok, là j'ai pas l'ascenseur, d'accord. Bon, je vais voir l'autre, il faudrait, on sait jamais si on oublie le gel, truc comme ça. On aurait loupé des balles. Et un enregistrement.
Donc du coup, on va prendre directement l'ascenseur. Hop. Il est déjà là, c'est parfait. Ça, c'est un ascenseur quand même magique. C'est un ascenseur de télépathie. C'est-à-dire que t'as même pas besoin de dire où tu vas, il sait où tu vas aller. Alors, il y a des gens qui auraient ça dans leur immeuble, ils seraient bien contents, je pense. T'es bien chargé, plein de courses, ce que tu veux. Tu peux pas appuyer sur le putain de bouton. Si tu es là. Enfin, là, maintenant. Je pense qu'ils seraient bien contents d'avoir ça. Ok. Jusqu'à maintenant, c'est cool, hein. Franchement. Oh, ça se plante quand même. Non mais Leslie va nous faire une coup de pute, c'est juste obligé là, c'est prévisible. Okay, ça veut dire monte tout là-haut. J'ai bien compris. Contrôle. Bonjour, bonjour. Comment s'est passé? Ok, j'ai besoin. Non. Non. Bon. Ok. Okay. Ok, on sait le côté. Sympa. Très sympa, hein. Comme on dit, c'est accueillant, hein. Ah, donc l'œil, ça va être l'œil de gauche. Ou de droite, hein. Alors, point de contrôle. Voilà, ça je récupère. Et non.
Directement ça. Alors, par contre, les gamers, je vais vous laisser là. Parce que je sens que ça pue la merde de l'autre côté. Et je sens que je vais en chier. Voilà, c'est bien ce que j'allais dire. Donc, je vais me foutre de côté. Voilà. Je vais me foutre là. Et je vais vous laisser là pour aujourd'hui, les gamers. Et on se retrouve dès demain pour la suite du chapitre 15. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et nous se retrouve très très vite. Salut les gamers!